précédemment dans Les Lapins Crétins. Mon sondeur mental est prêt. Je vais être le premier humain à explorer l'esprit d'un lapin. Maman. C'est une catastrophe. Nos deux esprits ont été échangés. Lui, c'est le lapin. Il est moi et je suis lui. J'en ai assez de toutes ces expériences ridicules. Que je suis. Quoi? Hé, hey, bats les pattes! Ok, super, merci beaucoup. Ah, je vois. Vous aimez quand je parle. Vous n'êtes pas très malin quand même. Oh. Allez, c'est bon, moi j'en ai ma claque. On s'est bien amusé, mais j'ai pas que ça à faire, je dois aller récupérer mon corps. Ah, mais vous me vénérez vraiment? Eh, finalement, c'est pas si... John, vous devriez peut-être consulter. Aïe, fais gaffe! Mais enfin, c'est pas possible. Hey, regardez là-haut. Bois, 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 bois. Ouais. Oh non, encore toi. Bois, bois, bois. Bois. Ça risque d'être long. Ah non, hein, ça suffit avec cette planche maintenant. Ah bah voilà, c'est déjà mieux. Non, non. Tout doux, John. Je vérifie juste votre activité cérébrale. C'est pas bon signe. Venez, maman. Et hop là. Maman, j'ai faim. Oh, bois. Comment ils font pour courir avec ces petites pattes? Dégagez! Je ne suis pas votre roi! Voilà, c'est ça, bravo! Restez sage encore quelques minutes, John! Expérience 548, comparaison de l'activité cérébrale de John avec celle d'un lapin crétin. Laissez-moi! Laissez-moi! Hey!
compliqué, mais je peux tout expliquer. Ça commence. Vite, patron, il faut inverser le processus. Vite, il faut inverser. Les ondes cérébrales et bloquer les impulsions nerveuses. Ok, inverser les impulsions et bloquer les ondes cérébrales nerveuses. Patron, faites quelque chose. Ça fait vraiment mal. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Je suis Romoi. On a réussi, patron. John, qu'avez-vous fait? Dites-moi que c'est seulement un cauchemar. Je ne veux pas être la pancréta. Oh, ma tête. Je suis où, là? Oh? C'est quoi, tout ça? Je ne me rappelle rien. Hé, hey, mon téléphone! Je l'ai semé. Baba! 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 Test! Quoi? Oh, c'est une vidéo de moi. Test 1, 2, 3. Ok. Aujourd'hui, je vais prouver au monde entier que ces aliens sont de dangereuses créatures qui viennent d'une planète que j'ai appelée Citron. Hein? Qu'est-ce que vous faites, jeune homme? Je dois faire très attention. Les aliens peuvent être n'importe où. C'est pour la télévision. Regardez ça. Fausse alerte, c'est juste un braqueur de banque. Voici leur terrible machine à voyager qui les a amenés ici depuis l'espace. Ils sont sûrement venus pour détruire le monde. Secrète et bousillé. Oh non! Baba! Baba! J'ai eu chaud. Baba! 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 C'est le mien, du coup il est terrien, alors que vous. Interrompez le programme pour un flash spécial. La police.
Il veut utiliser mon téléphone comme nouvelle arme secrète. C'est le mien. Pas de photo. Mon sac. Vous êtes en état d'arrestation. C'est lui. À toutes les unités, les suspects ont pris la fuite. Poursuivez cette poubelle. S'explique. Stop! Lâche ces billets! Hein? Oh! Vous faites erreur! Je peux le prouver, j'ai tout sur mon téléphone! Ah ouais! Et où est-ce qu'il est? C'est ce lapin qui me l'a volé! Baba! C'est ça! Et je suppose que la vache a mangé l'argent! Allez, Oscar, tu seras le chaton le plus connu du web. Vas-y, fais un truc mignon. Danse, chante, joue du piano. Allez. Il miaule. Tu parles d'un scoop. Dégage. Arrête-toi de ma route. Va-t'en, pousse. Merci, monsieur.
Hein? Allez, on y va, Tim. Papa doit faire des courses. Anna. Hein, mon grand. C'est facile, tu sais. Allez, fais un truc mignon avec tes pattes. Fais un truc marrant. Allez. Ouais. Oh. Papa, Nala, mais on va pas acheter ça, hein. D'accord? Allez, joue avec bon sens, sois marrant! Oh, tiens, une mouche! Oh, bah, c'est bien ça! Chat contre mouche, ça fera des millions de fois! Oh. Mais c'était une pieuvre! Waouh, trop cool! Hein? Un allié de lapin, il a pris mon chat! Il faut absolument que je filme ça! Qu'est-ce qu'il fait à mon chat? Waouh, ce serait la plateforme de décollage des aliens. Personne ne me croira. Je dois pas filmer. Baba. 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 Près d'un million de followers. Les gens m'aiment, ils m'aiment. Non, Oscar, oh pardonne-moi. Maintenant il me déteste et moi aussi je me déteste. Oh, Oscar, oh, tu n'as rien. Oh, mon petit chatounou que j'aime tant. Je te forcerai plus jamais à faire l'acteur. Ha ha ha!
Oh,
Ba-b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 a
Cette fois, nous allons enfin découvrir pourquoi ces lapins sont de véritables crétins finis. Le comportement obsessionnel des lapins. Expérience 20N01X. Séquence de stimuli visuels enclenchée et c'est parti. Vous voyez, il réagit. Je vous l'avais dit, ils ont quelque chose avec la lune. Regardez. Mon expérience prouve que les lapins sont obsédés par la lune. Un lapin, ça ne prouve rien du tout. Là, ça prouve que c'est la lune. C'est fort possible qu'ils la confondent avec... une balle. Bien la lune. Pas du tout, c'est une balle. La lune. 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 La lune. Oui. Non, une balle. Vous l'avez dit. Ma langue est fourchée. Il est en train de couver la balle comme un œuf. Bon, arrêtons cette expérience stupide. Mais... fini de jouer. C'est votre faute, alors réparez-le. C'est vous qui l'avez cassé. Oh.
ce n'est peut-être pas nécessaire de rédiger un rapport. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Thank you.
Ha ha ha.
Oh,
Là-bas. Qu'est-ce que c'est comme langue, ça? Ba-ba-ba-ba-ba. Ça doit être du portugais ou peut-être du chinois. Ba-ba. Oh, vous devez être les enfants des nouveaux voisins en bas de la rue. Vous venez d'Argentine, non? Écoutez, les enfants, j'ai besoin de votre aide. J'ai fait tomber ma télécommande et mes lunettes. Ils doivent être par ici. Oh là là, les enfants sont toujours aussi turbulents. Mais c'est tellement mignon. Oh.
Dites les enfants, avez-vous retrouvé mes lunettes? Ça chatouille. On a toqué à la porte. C'est mignon, tu t'assois sur les genoux de mamie. Gouzi, gouzi, gouzi. Guili, 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 guili. Oh, tu es vraiment un amour de petit Italien. Viens me voir. Oh, enfin. Merci, trésor. Laisse-moi t'offrir des bonbons. Je crois bien qu'ils me restent dans la cuisine. Oh, qu'est-ce que cette fleur fait par terre? Oh, ce vase fera bien la fleur. Voilà qui est mieux. Oh, regardez-moi ce désordre. Cette pièce a besoin d'un bon coup d'aspirateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête! Oh, j'allais oublier les bonbons. Voyons voir. Oh, les voilà. Je vous ai retrouvé. Tiens, prends un bonbon, mon poussin. Je parie que vous n'en avez pas des comme ça en Suède. Oh, mais j'y pense. Il faut qu'on aille en bas. Je ne veux pas rater mon émission. Ça y est,
Avec ma super invention, je vais prouver au monde que les lapins sont venus nous envahir. Ta-da! Infiltrer leur QG. Salut. Ça marche. Un, deux. Salut. Leur technologie. Bon, papa. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Papa! Je vais le faire moi-même.
Ok. Enfin, je vais découvrir leur vaisseau. J'ai pénétré leur vaisseau spatial. On dirait que tout est fait de brick and block. Lunettes. Ça lui donne un petit côté geek sexy, tu trouves pas? Et Thomas, il vient? Ouais, mais il est mais je t'ai dit, tu devrais juste le... Hein? Attends, je crois que le bébé a... Non, rien, fausse alerte. Un signe d'intelligence? Si, je vais vérifier. Ah!
l'acné, c'était un signe d'intelligence. Mais si, je t'assure, va vérifier toi-même si tu me crois pas. À moi de toute façon. On est voisins depuis 15 ans, tu vois, et il m'a quasiment jamais adressé la parole. T'as vu, c'est bizarre. En plus, on jouait souvent ensemble quand on était petits. Et puis tu sais ce que c'est, au collège, on traînait pas avec les mêmes personnes. Ouais, mais toi, ton copain n'est pas... Attends. Ha ha ha!
C'est quoi l'adresse déjà? Oh là là, je vais encore me prendre un savon. Allô, c'est quelle rue la livraison? Où est-ce que vous êtes, bon sang? J'aime pas les pizzas froides. Alors écoutez-moi bien. Il faut prendre la boîte sur la droite des marchés. Il faut continuer jusqu'au numéro 33. Bye.
D'accord, ne va pas trop loin. C'est le mien. On doit m'avoir. C'est l'heure du goûter. Ouais. Papa. Papa. Coucou. Papa. Oh. Ha 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 ha!
Mon cheval à bascule. Zach? Oh, oui, maman? J'ai commencé à jeter tes vieux jouets. Pourquoi? Aujourd'hui, on fait un grand ménage, tu te souviens? Alors tu vas me faire le plaisir de... Tu feras moins la fière quand tu seras changé en alien.
Mon cheval à bascule. Les aliens. Je dois savoir. C'est pas vrai. Ils ont fait des expériences sur moi. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maman, réponds-moi. Oh, ils ont enlevé ma mère. Oh. Ils viennent pour moi. Non, non. Quoi? Maman, ils t'ont changé en alien. Quoi? Ce sont les aliens. Vite, où est ma caméra? Oh non, j'arrive trop tard. Je vous saurai un jour. Stark, est-ce que tu as rangé ta chambre? Je viens vérifier. C'est où? Oh, encore eux. Cette fois, je vais me les faire. Hey! Hey! Oh, merci, vieux. Et je commençais vraiment à cuire. Camionnette! Au valeur! Non! Hein?
Wow. Cool. Tenez, amusez-vous. Votre jour de chance, monsieur. On fait une offre spéciale. Pour un jus de fruits acheté, vous avez le droit à une carte musicale. Mais ouais, un jus égale une carte. C'est bon, je vous la donne. Vous ne voulez pas me lâcher? Ouais, les gars, finalement, je trouve que vous êtes plutôt sympa. Immédiatement la police. Louis, tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas nettoyé cette vitrine, tu m'entends? Et que ça brille. J'ai compris? Oh oui. Ne t'inquiète pas, je vais la nettoyer avant que tu aies eu le temps de dire ouf. Et tu vas voir. Ma chérie, ça y est, j'ai fini. Voyons voir ça. Hein? Tu te moques de moi? Tu oses appeler ça fini? Oh! Recommence. Ouais. Nya, 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 nya. Ah.
Flash spécial. Le suspect a été aperçu faisant route vers le sud à bord d'une voiture volée. Ma chérie, c'est bon. Cette toile est toute propre. Moi, tu me prends pour une idiote? Maintenant, elle est encore plus sale qu'avant. Sûrement devoir la nettoyer encore une fois, mais en tout cas, au moment où je te parle, elle est propre. Bon, on peut enfin avoir la paix dans cette vallée.